السلام عليكم، قناة بروفيدي للتعلم كترحب بكم في آخر إكستري من سلسلة تصحيح الامتحانات الجهوية الأولى بكالوريا الخاصة بأنتيغون. alors هاد l'extrait هذا commence par la réplique de crayon. Il dit je les ai fait coucher l'un près de l'autre enfin jusqu'à une autre réplique de crayon. Il dit eh bien si nous avons conseil petit nous allons y aller. واحد لا ديداسكالي على فان il sort crayon s'appuyant sur le page. alors خذوا l'extrait في la pièce ديالكم وهادو هما لي كيستيون. دونك نحاول نوقف الفيديو نخدم لي كيستيون ونرجع pour les explications et les réponses. C'est bon. Alors on commence. La question numéro 1, fait avec le tableau, et c'est le cas où Réliban fait les examens régionaux. Alors je trace le tableau. Donc le titre Antigone. نحاول دائما ما نديرش اخطاء faute d'orthographe. L'auteur John Anwil. Le nom propre commence par majuscule. Et le genre, c'est une tragédie. Tragédie moderne. Le siècle, c'est le 20e siècle. La question numéro 2. La question numéro 2, le pronom souligné dans la première réplique remplace le pronom souligné la première réplique. Ça fait directement la première réplique, Heda. Souligné, est-ce qu'il remplace Ismen et aimant, ou la Antigone et aimant, ou la Édipe et Jocaste? Recopie la bonne réponse. Alors, on croit la réplique, le crayon entre avec 100 pages. 100 pages, voilà la compagnon. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin, je les ai fait coucher. Dars wahed hda wahed. Coucher, mustalqi. Alors, on a qu'un hadrou là. C'est bon. Ça n'a droit là, qu'un droit là, aimant et Antigone. J'ai fait coucher aimant et Antigone. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin, akhiran, jim'o. Min ba'd ma kunna kanqoulou annahum ma'amrhom ghay jim'o f un mariage. Jim'o f la mort. Ils sont lavés, maintenant reposés. Ils sont seulement un peu pâles. Chouye chahibin. Pourquoi? Parce que ils sont morts. Alors, il remplace Antigone et aimant. Maintenant, A. Le pronom souligné remplace le pronom. Pronom souligné remplace Antigone et aimant. D'aimer les noms propres en majuscule. Commence par majuscule. Aimant. Alors B. Ils ont fini. Eux. Première réplique de crayon. La première réplique, Edna, ils ont fini. Eux. Cette affirmation signifie. Ils ont fini. Intaha amrohum. Fini. Alors, cette affirmation signifie ils se sont mariés, toujours. Nous savons que l'histoire d'Antigone a fait un mariage. Ils ont trouvé la mort, ils se sont séparés de Farco. Alors, là, ils ont trouvé la mort. Nous savons que nous avons fini avec Antigone. Ou Radis Bahata, M. Alors, B. Ils ont trouvé la mort. Cette affirmation signifie. Cette affirmation. Signifie ils ont trouvé la mort. Y animez-vous, bzouche. 3.
Relevez dans le texte un exemple de didascalie montrant la fatigue de crayon. Hna عندنا didascalie, yani ramchou li didascalie directement, qui montre l'xbin la fatigue tab de crayon. Alors, ramchou li didascalie. Hna hadi la première didascalie entre avec 100 pages. Hna ma kimachna la fatigue, dkhal ma le page dialo. Autre didascalie, عندنا un temps il dit sourdement. Hna ma kanch la fatigue, un silence, il pose sa main sur l'épaule de son page. Il sort crayon s'appuyant sur le page. Alors, ce sont deux didascalies qui montrent la fatigue de crayon. Donc, trois. La didascalie qui montre la fatigue de crayon, je te note de entre parenthèses, entre guillemets, hadi. Crayon s'appuyant sur le page. Crayon s'appuyant sur le page. Ou bien, on a écrit un exemple. Mais je vais dire que c'est un jour, je vais dire que c'est un et je qu'est-ce qu'on m'a tarenti la consigne. Et là, 4 A, Eredisa. Eredisa, c'est la femme de crayon. Yak, la reine, Melika. Eredisa est présentée par crayon comme Eredisa est présentée par crayon comme une femme égoïste, Enenia. Une femme généreuse, Kerima. Une femme orgueilleuse. Orgueilleuse, l'orgueil, Tafahor, Tsakabor, Moutekebir. غنمشي للكريون ريبليك دو كريون اللي تيهضر فيها على على ايريديس اون بون فام بارلون توجور دو سون جاردان هنا فاش قال لي لو كور il te reste encore quelque chose à apprendre ايريديس هيا لا رين تا فام ما خلاش يكمل قال لي اون بون فام بارلون توجور سي اون بون فام يعني ما غاتكونش ايغويست وما غاتكونش هادي سا مونتر هاد البارتي كتبين لنا انها ماشي ايغويست وماشي اورغيز بارلون توجور دو سون جاردان دو سي كونفيتور دو سي تريكو دو سي زيترنيل تريكو بور لي بوفر هنا تتعطي لي تريكو لحقاش حنا كنعرفوا على ان كانت ال تريكو كتصايب تريكوات بالقطبان الوغ ال تريكو طول لو طون بور لي بوفر يعني سي اون فام جينيروز دونك عندنا هاد لا بارتي مونتر لا جينيروزيتي دو ايريديس الوغ 4 A. Alors, Eredis est présenté. Eredis, écrit Y. Eredis est présenté par crayon comme une femme généreuse. Généreuse, recopie la bonne réponse et justifie. La justification, il y a de la partie li jbedna hna. Justifie hna en relevant une expression. Dans la deuxième réplique, on sait que la deuxième réplique. Donc la deuxième réplique, ranksbou matalan, une bonne femme ou là, c'est éternel. Éternel, yani ma tentahich, il tricote tout le temps. Daima ktsib tricouat. Tricot pour les pauvres. Pour. Ça montre la générosité pour les pauvres. C'est un anachronisme. On a déjà donné l'anachronisme. Les tricots, les confitures, ce sont des anachronismes. B. Le cœur apprend à crayon qu'Eredis est morte. Le cœur, quel crayon, a comme information qu'Eredis est morte. Est-ce que elle est morte suite à une crise cardiaque, secte cardiaque, ou la suite à un suicide. Recopie la bonne réponse. Ramchil, la réplique dit le cœur. Ah ouais. Les pauvres de Thèbes auront froid. Les pauvres de Thèbes, les fouqara, ils s'aknif Thèbes, ils jihoum le bird had saif, had chta, pardon, hiver, crayon. En apprenant, ils jihoum le bird, l'achkash, metis hadik li kant katsib liyoum les tricots. Qui tricote tout le temps pour les pauvres. Crayon, en apprenant la mort de son fils,
en apprenant la mort. Mais en fait, la mort de son fils aimant, la reine a posé ses aiguilles, et donc les citrés quotidiens, sagement, crise. Après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'il fait, un peu plus tranquillement, il est tranquille, peut-être que d'habitude, et puis il s'est passé dans sa chambre, m'chat la chambre d'Ella, sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche pour s'y couper la gorge. Qat'at la gorge d'Ella. Alors il s'est suicidé. Donc c'est un suicide. B. Alors, dans Granixbo, le cœur apprend à crayon qu'Eredis est morte au Radirhedi. Je me suis dit que je suis dit que suite à un suicide. Je me suis dit que je suis dit que suite à un suicide. Les voix intihar. Recopie la bonne réponse. Justifier la justification. Je me suis dit que couper la gorge. Justification. Puis c'est couper la gorge. Elle, non. Donc pour c'est couper la gorge. Recopie la bonne réponse. Donc, c'est une sale besogne. Besogne, c'est-à-dire travail. Cinquième réplique de crayon. Cinquième réplique. Khamsa. Cet énoncé veut dire sale. Sale, c'est le contraire de propre. Moutsessir, propre, naqi. C'est un travail très reposant, mourir, ou la très difficile, saïb, ou la très amusant. Alors, Galina, c'est une sale bosoni, ça veut dire, c'est une tâche, bosoni, tâche, ou la travail, qui est très difficile. Yani, mais c'est helch. Donc, cet énoncé veut dire 5, 7, énoncé veut dire c'est une tâche très difficile. C'est une tâche très difficile. Et de 5. 6. Relevé dans la deuxième réplique du cœur, 4 mots appartenant au champ lexical du sommeil. La deuxième réplique, Tenia, dial cœur. Alors, champ lexical du sommeil, sommeil ou non. Donc, Ramchi a dit première réplique, a dit la deuxième réplique. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. Crayon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles sagement. Après avoir terminé son rond, posément, comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis, il s'est passé dans sa chambre. La chambre, ça montre sommeil. L'orfa, la chambre. Sa chambre de l'odeur de lavande, au petit napperon, brodé, et au cadre de peluche pour s'y couper la gorge, crayon étendu, msrha, étendu, mdedda, étendu. Maintenant sur un des petits lits, c'est rire. Alors, on a qu'il y a 4. Champ lexical, 6. Champ lexical du sommeil. Deux points. Donc, maintenant, chambre. Lit, serrière, étendu, étendu, il dort, le verbe dormir, il dort. هنا جبدنا 4 واحد جوج ثلاثه اربعه راه كاين كثر ولكن هما طالبين مننا غير 4 دونك ما نديرش كثر. لا كيسيون نيميرو 7
Non, la question numéro 7. La figure de style exprimée dans la deuxième réplique de crayon. Remchi la deuxième réplique de crayon. Aïe. Galek head, deuxième réplique de crayon. La figure de style, est-ce que c'est une antithèse, répétition ou l'oxymore? Remchi chouf. Alors, Anna, deuxième réplique. Une bonne femme, parlons toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tréco. De ces éternels tricots. Là, la tout un tricot se répète. Ha tricot, ha tricot, ha tricot. Donc, on a une répétition. Répétition, il y a cette figure de style. Laisse-moi je vais mettre la phrase. Alors, cette, la figure de style, c'est quand même là, exprimée dans la deuxième réplique de crayon et une répétition. Une répétition. Yetikral. Répétition. Donc, l'antithèse. فاشاسكون عندنا الكلمة المعنى والنقيض ديالو اللي heureux et malheureux أو لوكزيمور فاش كنوصف الكلمة بالنقيض ديالها مثلا تقول une nuit blanche ليلة بيضاء j'ai passé une nuit blanche يعني ما نعستش دونك nuit blanche وصفت الليل بالبيض blanche alors ça c'est لوكزيمور دونك هادشي ما عندناش عندنا la répétition دونك 8 les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver قال لي les pauvres de Thèbes غادي يجيهم البرد هاد ليفير ترونسبوزي سيت فراز او ديسكور انديريكت هنا عندنا لو ديسكور انديريكت وبدي لك لو كور افيرما دونك رد بالي لو فيرب انتروديكتور راه في لو باسي هنا عندنا الباسي سامبل يعني اورون غتبدل ما غيبقاش ادي لو فيتور غادي ندير لو كور افيرما كو لي بوفر De Thèbes auront le futur titre le conditionnel. Conditionnel. Ou c'est le conditionnel, c'est le basal futur. Il y a un ONT qui dit la terminaison de l'imparfait. Il y a un auront qui dit l'orient, qui dit l'I. Bien, il y a un autre qui dit les pauvres. De Thèbes, يعني il au pluriel, غتكولي aurait froid. Aurait, A-I-E-N-T. Il, les pauvres de Thèbes. Aurait froid. Froid. Mais les qu'on a dit ce mois, le cet hiver, qu'on dit là, à la fin. Cet hiver là. Là. Faire des accents. C'est la transformation. Alors, la question numéro 9. Crayon, c'est un personnage terriblement seul qui parvient à vivre malgré la perte de ses proches. Le crayon, c'est un personnage terriblement. Il est seul d'une façon terrible. Wahid. Qui parvient, qui arrive, l'istata, à vivre malgré la perte de ses proches. Ses proches. Partagez-vous cette observation ou je ne sais pas si de l'observation. Justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Donc, il y a un crayon à la fin, je n'aurai dit prêt. Texte. فاش كلشي غيعرف انه كلشي مات اش غايقول ليه لو باج ديالو هنا tu es fou crayon tu es fou il faudrait ne jamais devenir grand l'heure sonne au loin et il murmure 5 heures هنا عندنا 5 heures وصلت ل 5 Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Je n'ai pas eu même à 5 heures. Alors, très long, il y a un coup de mythe, les proches d'Yalo. Ou, quand on a fait le programme d'Yalo, il y a un conseil, il y a un conseil, il y a conseil d'Yalo. Donc, il y a un crayon, il parvient à vivre seul. Ça fait, il y a un programme d'Yalo, il y a un catastrophe. Alors, il y a un catastrophe. En effet, ou là, c'est vrai, ou là, évidemment, partagez-vous, là, je pense, à Donno Anna, que crayon parvient, c'est-à-dire arrive, parvient à vivre malgré la perte de ses proches
malgré sa solitude, بالرغم من الوحدة ديالو, sa solitude, solitude, i عاد فاش i tude, parce que انا هنا كان جوستيفيي parce qu'il, حيت عندنا e و i غادي ندير apostrophe, parce qu'il garde toujours ou la respecte toujours, toujours le programme de sa journée. نقدر نوضح هذه. Le jour même, de sa perte, bien de la mort de ses proches, il interroge, qui souhaite, il interroge son page, qui souhaite le page dialogue concernant le conseil. Je pense que Crayon parvient à vivre malgré la perte de ses proches, malgré sa solitude, parce que le jour même de sa perte, il interroge. Parce que le jour même de sa perte, il interroge Soul, là, le conseil. Alors, 10. Ils dorment tous. Nersin Kamlin, c'est bien. Ça fait mzien. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation de Crayon? Fashmet Kouchi, il dort. Mais Gashrahmeto, il dort. Alors justifiez votre réponse en une phrase ou deux. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Ils dorment tous. Donc, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, ça dépend de vous. Je ne suis pas. Je ne suis pas. D'accord, ça marche avec cette, d'accord avec cette affirmation, avec cette affirmation. Parce qu'il ne s'agit pas, لا يتعلق الأمر بي, ne s'agit pas d'un sommeil. Had sommeil عندك في التكست تقدر تستغلها. Sommeil, mais c'est la mort. Donc هنا وصلنا لنهاية ديال الفيديو, نتمنى تكونوا استفدتوا ونكون ما طولش, جا شوية طويل الفيديو. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.